Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous vous donnons la clé. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Mali, des doutes surgissent quant au rôle futur des forces irlandaises. Les planificateurs irlandais sont de plus en plus dubitatifs quant à la future participation de la force irlandaise à la mission de l'Union européenne au Mali. Les forces de défense participent à la mission de formation de l'UE depuis 2013 qui vise à renforcer les capacités des forces armées maliennes. Environ 20 soldats des forces de défense participent à la mission à tout moment, dispensant une formation au déminage, au combat et aux droits de l'homme. Les défis logistiques et sécuritaires, combinés aux préoccupations concernant les violations des droits de l'homme qui auraient été commises par les forces armées maliennes, suscitent de vives inquiétudes au niveau de l'Union européenne et parmi les pays contributeurs de troupes, y compris la République irlandaise. Il y a aussi la crainte d'une atteinte à la réputation de l'Union européenne si les forces maliennes entraînées par l'UEUTM tombent sous le contrôle des mercenaires russes qui ont récemment été employés par le gouvernement malien. Le ministre de la Défense a déclaré qu'il n'était pas prévu de mettre fin à la participation des DF à la mission de formation de l'UE au Mali. Il a déclaré que la République considérait l'EUUTM comme un élément important de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne et au moins, pour le moment, nous y restons attachés. Cependant, des sources de la défense ont déclaré que la participation future de la République est dans la balance en raison des diverses préoccupations. Le retrait de l'armée française du pays en raison des tensions avec le gouvernement malien a conduit à une situation de sécurité plus précaire et a accru les difficultés logistiques pour les pays contributeurs des troupes EUUTM, en particulier les petits États. Il y a également eu de multiples allégations selon lesquelles des soldats maliens, dont certains auraient été entraînés par l'EUTM, se livrent à des abus contre des civils. En mars dernier, les troupes maliennes et les membres du groupe de mercenaires russes Wagner auraient massacré jusqu'à 300 civils dans le village de Moura. Le gouvernement malien l'a salué comme une opération anti-insurrectionnelle réussie et a nié tout acte répréhensible. À la suite de l'incident, l'EUTM Mali a considérablement réduit son rôle de formation militaire. Les troupes irlandaises ainsi que d'autres membres de l'EUTM n'étaient plus chargés de former les militaires, mais ont continué à former les forces de police maliennes. L'Union européenne a publié le mois dernier un bilan de la mission qui a conclu que la situation politique et sécuritaire au Mali continue de se dégrader. En particulier, il s'est inquiété du risque de la réputation due au fait que les forces de défense et de sécurité maliennes formées par l'Union européenne passent sous le contrôle ou s'engagent aux côtés des forces affiliées à la Russie, comme cela a été observé dans le centre du pays. Merci pour votre attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la page et de cliquer à la cloche de notification. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.